venir loin. Il leur a donné vie au sortir de Narbonne. Loin de cette idée folle qu'il est meilleur de boire à notre varicot plutôt qu'à leur bonbonne. Les chevaliers cathares au bord de l'autoroute, tout en cassant la croûte et dégustant leur vin, sifflent l'air de mémoire que les enfants écoutent. Malgré leur âge, ils ne semblent avoir bonté. Sont ce Benoît de Termes, Pierre de Cabaret, quelques grands de Toulouse, Pierre II, Trincavel, Guillaume Bellibaste, dame Guirode assassinée, qui de la quatre voies lève les armes au ciel? Peu importe, on s'en fout. Ici, tous ne font qu'un, ils sont là comme ailleurs au monument mort. Peu importe, on s'en fout ici, tout ne fait qu'un. Demande à Marcelin d'Argeliès si j'ai tort. Chevalier cathares, au regard apaisé, de leur robe de pierre dérange assurément. Mon fort cauchemar de sous son homme éventré, et le midi caracole en tête tournant. Les chevaliers cathares, au sortir de Narbonne, aiment à contempler les flamands sur les dents, prennent à plein poumon le vent de Carcassonne, et se complaisent à voir les nuées d'estivants. Ne les critique pas, ce sont des nostalgiques. Si leur terre est impure, ils s'en battent aujourd'hui. Droit sur le bas-côté, raide, comme trois flics, ils me sont sympathiques, sans siffler ni quépi. Chevalier cathares de la 61, vous rappelle qu'un jour, ici naquit la paix. Ils cultivaient l'entraide et l'amour de chacun. Puis, la haine est venue.